Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h pratiquement 45 heure de Paris et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Merci Père pour ta grâce, ta bonté, ton amour et ces instants Seigneur que tu nous donnes à vivre. Merci pour nos bien-aimés qui sont connectés ce soir. Père en Yeshua, nous te prions Adonai, Dieu d'Israël. Amen. Voilà, bonsoir Salomon, mon frère. Voilà, mes amis, nous allons, nous vous avons promis, je vous ai promis de parler de la fin de temps. La dernière fois, j'avais parlé de dernier jour. Et donc, c'est une parole, c'est une promesse qui avait été faite. Donc, je tenais absolument à la tenir. Voilà, donc ce soir, justement, nous allons parler de la fin de temps. Et il y a une confusion entre, chez beaucoup de chrétiens, entre ces deux expressions, les derniers jours et la fin de temps. On a vu que l'expression les derniers jours les derniers jours a été utilisée pour la première fois par Jacob dans Genèse 49, juste avant sa mort. Il va convoquer, il va rassembler ses enfants, il va leur demander d'écouter leur père, Jacob, et parce qu'il allait leur annoncer des événements qui allaient avoir lieu dans les derniers jours. Et donc Joël 2:28 justement nous dit que dans les derniers jours, Dieu dit qu'il allait répandre son esprit. Et on comprend que les derniers jours ont un rapport avec la naissance de l'Église, parce que dans Actes chapitre 2, Pierre a dit clairement que c'était les derniers jours. Voilà, donc il a fait référence à la prophétie de Joël. Donc les derniers jours, n'est-ce pas, ont commencé, n'est-ce pas, depuis la naissance de l'Église. Et ils prendront fin et, lors du retour, justement, de Yeshua. Voilà, donc les derniers jours ont un rapport avec l'âge de l'Église, avec la dispensation du Saint-Esprit. Et on y est, justement. Voilà. Donc, alors que l'expression « la fin de temps » fait référence aux nations, n'est-ce pas, aux nations. Les derniers jours, comme on l'a vu, cette expression fait référence à la naissance de l'Église, n'est-ce pas, de la naissance de l'Église à son départ, n'est-ce pas, aux noces, tandis que l'expression la fin de temps, n'est-ce pas, a un rapport, fait allusion aux nations. Voilà, donc la fin de temps signifie, la fin de temps représente ou nous parle de cette. Ce temps que Dieu a donné aux nations pour qu'elles puissent s'auto-gouverner. Voilà. Donc, c'est un temps pendant lequel Israël, Jérusalem, est, n'est-ce pas, livré aux nations. Alors, il est dit justement dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste, chapitre 3, c'est un passage que nous connaissons, que vous connaissez. Nous lisons à partir du verset 1er, il y a un temps pour toute chose, hein, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Voilà, donc il est question ici bien sûr du temps Dieu, nous dit Daniel, est le maître des temps et des circonstances. Donc Dieu, ben justement mes amis, a livré Israël aux nations pendant un temps bien défini. Alors, Dieu, comme vous le savez, va bien évidemment à la chute d'Adam et Ève. Et Dieu va se servir de Noé par la suite, parce que toute la terre était corrompue. Il va se servir de Noé pour, n'est-ce pas, éradiquer le mal de la terre, pour purifier la terre du mal, parce qu'il y a eu corruption, il y a eu mélange entre les filles des hommes et des anges déchus. Et elles ont donné naissance, donc ces femmes, aux Néphilim, aux géants, selon Genèse 6. Et ces géants étaient à la base de la dépravation des mœurs. Et ces géants ont corrompu justement la terre.
Et Dieu va justement se servir de Noé pour pouvoir purifier la terre. Satan, n'est-ce pas, dans sa cruauté, a voulu, n'est-ce pas, mélanger la lignée du Messie, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi il va se servir de ses émissaires pour polluer la race humaine. Et Dieu utilise Noé et la terre va être purifiée quelques temps après. Donc, et les enfants de Noé vont se multiplier, vont avoir de nouveau, vont remplir, vont peupler la terre. Et nous sommes justement dans Genèse chapitre 11 et on apprend que les habitants justement de la terre, donc de l'époque, vont s'unir, vont unir leurs forces et dans le but de bâtir une tour dont le sommet toucherait le ciel. Et ils ont décidé, n'est-ce pas, de construire une ville, de bâtir une ville et une tour. Alors Dieu nous dit, Genèse 11 va descendre et confondre leur langage. Il va les disperser sur toute la surface de la terre. Et de cette justement confusion, Dieu va sortir un homme, donc Abraham. Et c'est comme si Dieu, par Abraham, va de nouveau créer des choses. Il va façonner, n'est-ce pas, mettre en place un projet, un plan et, provisoire en vue de la restauration de la race humaine. Et Dieu va sortir Abraham de la Mésopotamie. Et par Abraham, Dieu va, n'est-ce pas, se construire, bâtir une nation, n'est-ce pas? Donc Israël, on connaît un peu l'histoire. Ce peuple va se retrouver, n'est-ce pas, sous, comment dire, Joseph en Égypte pendant près de 430 ans. Et au bout de ces années, Dieu va envoyer Moïse pour sortir ce peuple de cet esclavage et pour l'amener dans le pays de Canaan. Et arrivé dans le pays de Canaan, bien avant d'arriver à Canaan, Dieu avait prévenu les Hébreux qu'il allait justement les frapper, les punir s'ils se détournaient de lui. N'est-ce pas? Nous sommes dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Et nous lisons à partir du verset 49. Voilà. Et Dieu dit, l'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu ne comprendras point la langue, une nation au visage farouche qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni moût, ni huile, ni portée de gros et de menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et la chair de tes filles, ton Dieu t'aura donné, que ton Dieu t'aura donné. Voilà, donc Dieu, bien évidemment, annonce ici la captivité babylonienne, et, hein, donc des années avant que cela n'arrive, c'est-à-dire plus de 1500 ans avant, n'est-ce pas? Dieu, bien sûr, a annoncé aux Juifs qu'une fois qu'ils seraient arrivés à Canaan, ils l'abandonneraient, hein, ils abandonneraient Yahweh, ils adopteraient les divinités des nations que Dieu chasserait devant eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une fois à Canaan, les Hébreux, par Akab, notamment bien avant Akab, vont abandonner Yahweh, nous dit le livre de Juges, chapitre 2, pour servir Baal et Astarté. Ensuite, Akab, le roi d'Israël, n'est-ce pas, va carrément adopter des divinités comme Akab, comme pardon, Baal et Astarté. De manière officielle, Baal va devenir le dieu officiel principal hein, d'Israël et en remplacement de Yahweh. Voilà. Donc, une fois à Canaan, les Hébreux, les enfants d'Israël, ont complètement rejeté Dieu. Et le Seigneur, notre Dieu, va envoyer des prophètes, va envoyer ses serviteurs matin, dès le matin et matin soir pour avertir. Les Juifs, les Hébreux, hein, pour les interpeller, pour les ramener à lui, mais ils n'ont pas voulu écouter. Et l'un de ces prophètes, justement, comme vous le savez,
c'est Jérémie. Et alors nous sommes dans Jérémie chapitre 25. Et voilà, au verset 11, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Donc Jérémie, qui va être suscité par le Seigneur, justement, va prophétiser, va matin, midi, soir prophétiser dans le but de ramener les Hébreux au Seigneur, mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pendant près de 23 ans, Jérémie va prophétiser, va crier, n'est-ce pas, devant le temple de Jérusalem pour que ses compatriotes, n'est-ce pas, obéissent au commandement de Yahweh, mais ils vont, n'est-ce pas, redire leur coup. Et Dieu, malheureusement, va devoir, n'est-ce pas, exécuter la prophétie qu'il avait donnée 1500 ans avant, à peu près, avant, par Moïse. Mais bien avant cela, mes amis, Dieu va encore envoyer d'autres prophètes, n'est-ce pas, Osée, tout ça, Michée, qui vont venir, qui vont prophétiser, mais le peuple n'a pas voulu écouter. Et qu'est-ce qui va se passer avant que l'armée babylonienne n'arrive sur Jérusalem, ne fonde sur Jérusalem? Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 8. Eh bien, là, on apprend que le temple de Jérusalem était souillé. Sur les murs du temple, il y avait toutes sortes de figures, n'est-ce pas? Des anciens même, n'est-ce pas? 70 anciens adoraient le soleil. Des femmes pleuraient Tammuz. Donc, il y avait vraiment du n'importe quoi. Le temple était souillé et Dieu n'était plus, n'est-ce pas, adoré correctement. Manassé, l'un des rois hébreux, juifs, avait carrément sacrifié, hein, donc faisait sacrifier ses enfants à Moloch. Et il avait introduit dans le temple de Jérusalem. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, dans 2 Rois chapitre 21, Manassé avait introduit dans le temple de Jérusalem l'autel de Baal et la statue d'Astarté. Et il avait établi également dans ce temple, hein, des prostituées, hommes et femmes. Donc il y avait des orgies dans le temple, des lesbiennes, des homosexuels, il y avait de tout dans le temple de Jérusalem. Et Dieu, n'est-ce pas, dans Ézéchiel chapitre 11, va parler à son prophète et on apprend justement dans Ézéchiel 11, au verset 22, il est dit, les chérubins, n'est-ce pas, déployèrent leurs ailes accompagnées des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est vis-à-vis de l'orient de la ville. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs en vision. Par l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Voilà. Donc, la gloire de Dieu, frères et sœurs, justement, va quitter la ville de Jérusalem, va également quitter le temple. Donc, si vous lisez tout le chapitre 11. Voilà. Donc, Dieu va mettre fin à la théocratie à partir de cette date. La gloire quitte Jérusalem, le temple également. Donc, Dieu n'était plus le roi d'Israël. Rappelez-vous bien, dans 1 Samuel 8, le peuple avait rejeté Yahweh pour, n'est-ce pas, un roi humain, un homme. Dieu était rejeté. Et la gloire quitte le temple. Et vous savez que quand la gloire du Seigneur quitte un ministère, une maison, une église, eh bien, ce sont les démons, bien sûr, qui vont prendre place. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tant que la gloire de Dieu était à Jérusalem, les nations ne pouvaient pas la fouler aux pieds. Tant que la gloire de Dieu était dans le temple à Jérusalem, les Babyloniens, les Égyptiens, les Éthiopiens, les ennemis des Juifs, les Philistins notamment, les Moabites, les Ammonites, ne pouvaient pas y accéder, ne pouvaient pas accéder à la ville. Parce que Dieu gardait, hein, cette cité. Et malheureusement, à cause du péché, la gloire va partir après plusieurs avertissements. La gloire va quitter le temple. Et là, à partir de cet instant, justement, hein, la gloire, Dieu va livrer Jérusalem aux nations. Dieu avait choisi ce peuple pour qu'au travers de lui, n'est-ce pas, les nations accèdent à la parole, à la lumière, à la vérité. Mais comme ce peuple a rejeté l'évangile, le Seigneur, Dieu, eh bien, il va être livré aux nations. Et ce qui va se passer, c'est que en 587, en 587 avant Jésus-Christ,
le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, arrive à Babylone, à Jérusalem, pardon, avec une puissante armée et il va assiéger la ville pendant longtemps et cette ville va tomber, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans 2 Rois et chapitre 24. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Donc vous voyez que dans un premier temps, nous sommes en 587 avant Jésus-Christ, le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, donc arrive à Jérusalem, il va assiéger la ville et pendant 3 ans, n'est-ce pas, le roi d'Israël, le roi de Juda, Joachim, lui était assujetti et lui payait un tribut. Vous voyez? Et ce roi va se révolter. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, mes amis, eh ben, Nebuchadnezzar arrive avec une puissante armée, n'est-ce pas? Et va assiéger la ville encore, va prendre ce roi et l'amener à Babylone. Et si vous lisez 2 Rois 24 et 2 Rois 25, et on va prendre 2 Rois 25 à partir du verset 8, là nous sommes à la troisième déportation, parce qu'il y en a eu plus de trois, à peu près. Le verset 8 nous dit, de 2 Rois 25, le septième jour du cinquième mois, c'était la neuvième année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef de garde, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de Yahweh, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée de Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Pourquoi? Eh bien parce que selon Deutéronome 28, on l'a lu tout à l'heure, ben les Hébreux mettaient plus leur confiance dans leurs murailles que dans Yahweh. Faites attention, mes amis, pour ne pas mettre votre confiance dans les hommes. Vous serez déçus. Vous risquez de provoquer la jalousie du Seigneur. Dieu est jaloux. Dieu, mes amis, veut à tout prix occuper la première place dans nos cœurs, dans nos vies. N'utilisez, ne prenez personne comme votre appui. Vous risquez d'être désapprouvé par le Seigneur. Et c'est exactement ce qui s'est passé malheureusement pour les Hébreux. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont arrivés, mes amis, Jérusalem était une cité fortifiée, n'est-ce pas? Ils sont arrivés à Canaan. Ils vont ériger, n'est-ce pas, ils vont consolider plutôt les murailles qui existaient déjà. Et ils vont commencer à se dire, voilà, ils se disaient, voilà, ces murailles vont nous protéger de nos ennemis. Et ils ont oublié que c'est Yahweh qui protège véritablement. Voilà. Donc Dieu va envoyer cette armée pour démolir carrément ces murailles, n'est-ce pas? Et il n'y avait plus aucune protection. Et là, ils vont accéder au temple. Ils vont l'incendier. Ils vont, mes amis, prendre les objets de valeur, nous dit justement Daniel chapitre 1er. Et ils vont les transporter à Babylone. Nous sommes dans Daniel chapitre 1er. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, donc c'est Babylone, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Voilà. Quel Dieu? Le Dieu Marduk. Le Dieu Marduk. Voilà. Donc, ou encore le Dieu Nebo, parce que Nebu signifie Nebo. Nebuchadnezzar signifie Nebo protège. Voilà. Et il adorait également le Dieu Bel, ou encore Baal. Voilà. Donc vous vous rendez compte, frères et sœurs, Dieu nous dit la parole, va livrer Jérusalem, Israël, va livrer Juda, va livrer également son roi entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Alors, écoutez, cette parole, mes amis, est aussi valable aujourd'hui. Remarquez bien qu'il y a beaucoup de pays qui sont contrôlés par d'autres pays, beaucoup plus puissants qu'eux. Hein, donc, il y a des nations qui sont gérées, qui sont contrôlées, assujetties aux nations plus puissantes. Voilà, donc c'est le cas, la parole s'accomplit. Voyez, donc, remarquez aujourd'hui comment les grandes puissances, hein, le G20 notamment, contrôlent beaucoup de pays et leur imposent une forme de, n'est-ce pas, une sorte de tribut,
hein, d'impôts. Et ils établissent, comme ici dans la Bible, hein, des présidents qui sont, mes amis, les vassaux, n'est-ce pas? Qui sont leurs vassaux, n'est-ce pas? Donc, voilà, donc voilà, il y a plusieurs présidents qui sont des vassaux des grandes puissances, au contrôle des grandes puissances. Voilà, donc la parole ne fait que se répéter, l'histoire se répète, la parole s'accomplit, elle est digne de confiance, cette parole, merci Seigneur. Voilà, donc, voilà, donc là, ben, Dieu livre Jérusalem. Dieu, mes amis, est celui qui livre également des pays aux puissances, aux grandes puissances. Et il y a beaucoup de pays africains, par exemple, qui avaient reçu la parole de Dieu. Hein, donc, je prends le cas de mon pays d'origine, la RDC, le Congo, Kinshasa, et un pays qui a reçu la parole du Seigneur, un pays qui a été visité par le Seigneur, un pays qui a connu des grands hommes et femmes de Dieu. Et en même temps, malheureusement, beaucoup parmi les fils et les filles de la foi de ces hommes de Dieu, ben, se sont éloignés du Seigneur pour aller avec des femmes d'autrui, pour détourner l'argent du Seigneur et voler l'argent du Seigneur. Et ben, Dieu a envoyé des prophètes matin, midi, soir, ils n'ont pas voulu écouter. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, Dieu a livré cette nation, hein, aux grandes puissances qui viennent sur place pour la dépouiller. Et du coup, ben, beaucoup de Congolais, ben, se retrouvent dans le monde entier, voilà, comme des Juifs. Vous voyez, l'histoire ne fait que se répéter. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a pas que le Congo, Kinshasa. Il y a aussi beaucoup d'autres pays comme le Congo-Brazza, comme la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Donc, d'ailleurs, nous avons un exemple flagrant de la Côte d'Ivoire avec ce qui s'est passé avec le président Laurent Gbagbo, qui n'a pas été, comment, qui n'a pas prêté attention aux interpellations du Seigneur, qui s'est entouré de faux prophètes, des prophètes de Baal. Qui se servent de la Bible, qui se servaient de la Bible et qui continuent à le faire, et qui prophétisaient par des faux dieux, eh ben, ils lui ont, n'est-ce pas, suscité, ils ont engendré dans son cœur une fausse espérance. Eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le président Gbagbo se retrouve actuellement avec son lieutenant, Blé Goudé, se retrouve à la haie, hein, à la Cour pénale internationale, actuellement, en Hollande. Voilà, donc. Et voilà comment ça se passe. Et les grandes puissances viennent, bien sûr, et ils viennent établir leurs vassaux, voilà, leurs subordonnés, voilà, qu'ils contrôlent, qu'ils gèrent, qu'ils manipulent, tout ça. Et puis, voilà, donc l'histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. La Bible est vraie, la parole de Dieu est digne de confiance, frères et sœurs. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pratiquement aucune nation actuellement qui n'est pas sous le contrôle d'une puissance, mes amis, internationale, multinationale. Voilà, donc. Supranational. Donc, on est vraiment ici dans les temps des nations également, c'est-à-dire le temps des nations représente cette période pendant laquelle Dieu, n'est-ce pas, va laisser les nations s'auto-gérer, s'auto-diriger, voilà, pour leur montrer à quel point elles sont, mes amis, folles, ces nations, bien sûr, comment elles sont incapables de s'auto-gérer. N'est-ce pas? Donc, comme un enfant qui veut toucher au feu, on va l'avertir pour lui dire que le feu brûle. S'il ne veut pas écouter, bien on le laisse toucher le feu. Voilà. Donc, c'est exactement ce que Dieu a fait avec les Hébreux. Les nations, mes amis, ont été comme mandatées par Dieu, n'est-ce pas? Autorisées par le Seigneur pour s'auto-gérer, pour aussi un peu, comment dire, posséder, contrôler la ville sainte. Vous voyez, la cité de David, Jérusalem. Voilà. Donc, vous comprendrez également pourquoi Jérusalem est au centre des informations. Hein, n'est-ce pas? Pourquoi à chaque fois on parle justement de cette ville. Voilà. Donc, vous avez vu une petite image du pain quotidien. Alors, ce n'est pas fait exprès. Je crois que c'est un petit lapsus, hein, donc visuel. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni en tout cas. Pour nos orphelins, n'est-ce pas, qui sont encouragés, bénis, fortifiés par Yeshua, notre maître. Alléluia, gloire à Dieu. Frères et sœurs, voilà. Donc, ce qui se passe avec Israël, je tiens à le souligner, se passe également avec beaucoup de nations actuellement. Pour votre information, la plupart des nations africaines sont sous le contrôle des grandes puissances et sont gérées, manipulées, contrôlées, dominées. Hein, donc, voilà. Et vous avez également actuellement, vous savez ce qui se passe également en Ukraine actuellement. Donc l'Ukraine également est entrée, voilà, sous
la domination sous le contrôle et des Nations Unies, n'est-ce pas? Donc voilà, donc avec l'OTAN, tout ça, et voilà, donc c'est exactement ce qui se passe et actuellement. Donc nous sommes justement dans les temps des nations. Voilà, frères et sœurs. Et c'est incroyable de voir à quel point les Écritures sont dignes de foi, dignes de confiance, frères et sœurs. Donc, comprenez que les temps des nations ont débuté officiellement en 500, n'est-ce pas, 87 avant Jésus-Christ, lors de la première déportation des Juifs à Babylone, la première déportation babylonienne qui a eu lieu en 585, 7, entre 587 et 586. Donc voilà, donc ces deux dates-là, en tout cas en 587 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est là que la gloire du Seigneur a quitté Jérusalem. C'est là que Dieu va livrer cette nation, donc Israël, aux nations. Et rappelez-vous bien que bien avant cela, en 722, parce que Israël était divisé en deux, n'est-ce pas, sous Roboam, et il y a eu le royaume du nord, dont la capitale était la Samarie, et le royaume du sud, dont la capitale était Jérusalem. Alors, en 722 avant Jésus-Christ, Dieu va envoyer Salmanazar V, roi d'Assyrie, dans la Samarie. Et ce roi va déporter les Samaritains, donc les Samaritains, donc les 10 tribus hein, d'Israël, et il va les déporter en Égypte, en Assyrie, dans plusieurs pays étrangers, et il va, n'est-ce pas, les remplacer par d'autres populations, d'autres peuples. Et il y a eu un mélange, d'où justement les Samaritains. Voilà. Donc ensuite, en 587, c'était le tour du royaume du sud, c'est-à-dire de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Voilà. Donc Dieu va livrer, hein, n'est-ce pas, Jérusalem aux nations. Et donc nous sommes justement dans les temps des nations. Voilà pourquoi vous avez, on a l'impression parfois, on se dit parfois, mais Dieu, pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Il y a autant d'atrocités, de guerres, des conflits, des enfants qui sont violés, des pays qui souffrent, des populations qui sont déplacées. Tout ça, et où est Dieu, n'est-ce pas? Et beaucoup même ont de doutes sur l'existence de ce Dieu. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, et vous qui êtes païens, qui n'êtes pas encore convertis, laissez-moi vous dire que les Écritures nous disent que Dieu, n'est-ce pas, a donné aux nations un temps. Voilà, donc, et il va intervenir ouvertement dans les affaires humaines, et il va le faire très bientôt, nous le croyons. Mais pour l'instant, c'est le temps de nation. Voilà. Donc, c'est-à-dire les impies, les méchants règnent, prospèrent, et les vrais enfants de Dieu sont rejetés, persécutés, pleurent, se retrouvent dans beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances, sont pourchassés, sont égorgés, exécutés, tout ça. C'est comme si Dieu se laissait faire. C'est comme si Dieu encourageait le mal. Non, Dieu n'encourage pas le mal, frères et sœurs. Dieu ne prend pas plaisir au mal. Au contraire, il a laissé aux nations un temps. Et nous sommes dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Et nous lisons à partir du verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Voilà, achevé. Donc vous voyez que Jésus-Christ ici, mes amis, au premier siècle, va également annoncer, confirmer, mes amis, que les nations avaient reçu de Dieu, n'est-ce pas, l'autorisation de gouverner, de régner, mes amis, et d'écraser aussi d'autres peuples. C'est terrible. Et pourquoi? Parce que Israël, les Hébreux, les Juifs avaient rejeté, n'est-ce pas, la Torah, la parole de Dieu.
Voilà. Donc, et ici, Jésus, dans Luc 21, va répondre en fait à la question des apôtres. Parce que les apôtres voulaient savoir, connaître, ils voulaient connaître le signe de son avènement. Alors le Seigneur, bien sûr, va leur dire justement qu'un des signes, justement, c'est le contrôle, c'est l'asservissement, c'est le siège de Jérusalem par les nations. Et remarquez bien que à chaque fois vous allumez, à chaque fois vous écoutez des informations, on ne cesse de parler de Jérusalem. Car Jérusalem, Israël, est une horloge de temps. Voilà. Dieu l'a fait exprès. Donc, parce que justement, l'histoire des nations va s'achever là. C'est là que, mes amis, aura lieu la Troisième Guerre mondiale. C'est là que débutera, je dirais plutôt, la Troisième Guerre mondiale, Armageddon. C'est là aussi qu'aura lieu le jugement des nations dans la vallée de Josaphat, selon, comment dire, Joël 3. Voilà. Donc, vous comprenez bien que les nations, Dieu veut que le regard des nations, n'est-ce pas, se focalise sur ce bout de terre, n'est-ce pas, qu'est Israël. Donc ce conflit palestino-israélien, mes amis, n'est rien d'autre que, mes amis, la prophétie, l'accomplissement de la prophétie. C'est l'horloge de Dieu. Cette nation, donc Israël, est une horloge, une des horloges, parce qu'il y en a au moins trois. Il y a Israël, il y a les nations et il y a aussi les églises. Voilà, les chrétiens que nous sommes, les enfants de Dieu, les disciples du Seigneur Yeshua. Voilà, donc Israël, nous dit la parole, Jérusalem notamment, sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et la prophétie de Luc 21 va s'accomplir partiellement en, mes amis, en l'an 70 après Jésus-Christ. En l'an 68. Écoutez bien, en l'an 68 après Jésus-Christ plutôt, en 68 après Jésus-Christ, un Grec, selon les historiens, va sacrifier un oiseau, n'est-ce pas, dans une synagogue, et cette profanation va provoquer la colère des Zélotes, des Juifs orthodoxes, et cette révolte, justement, cette provocation va, n'est-ce pas, pousser les Juifs à étendre leur révolte sur les occupants, c'est-à-dire les Romains. Et ils vont maintenant, mes amis, demander le départ des Romains. Et cette révolte, donc, va durer 2 ans. Et 2 ans après, le roi, l'empereur romain Vespasien, va envoyer son fils Titus, qui est à l'époque général, pour mater la rébellion. Donc nous sommes en l'an 70 après Jésus-Christ, et Titus arrive avec une puissante armée à Jérusalem, conformément à la prophétie du Seigneur. Jérusalem serait, n'est-ce pas, investie par les armées, comme il le disait. Titus arrive avec une puissante armée, va assiéger la ville, n'est-ce pas, et les Juifs vont lutter, 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 mais ils vont perdre, et Titus va détruire le temple qui va être incendié. Un soldat romain par mégarde va faire tomber sa torche sur le rideau du temple et il va y avoir un grand incendie, n'est-ce pas? Et l'or qui était sur la façade de ce temple va commencer à suinter et les soldats romains, des soldats romains pour récupérer cet or, vont démonter pierre sur pierre conformément à la prophétie de Jésus-Christ dans Matthieu 24 où il disait aux apôtres qu'il ne resterait pierre sur pierre du temple qui ne soit démonté. Voilà. Donc, voilà comment, partiellement, la prophétie de Luc 21 va s'accomplir. Mais bien avant cela, en l'an 162 avant Jésus-Christ, le roi Épiphane, n'est-ce pas, Épiphane, roi, mes amis, macédonien et gréco-macédonien, va arriver à Jérusalem et il va interdire aux Juifs l'observance des lois de Moïse, notamment du Shabbat. Il va leur interdire d'observer la Torah, les fêtes de Yahweh, la circoncision, et les Juifs qui avaient refusé d'obéir à ce roi impie vont être exécutés. Des femmes juives étaient brûlées vives avec leurs enfants attachés à leur cou, n'est-ce pas? Et Épiphane, mes amis, va être annoncé par Daniel. Voilà, donc
Voilà, les nations, mes amis, ont le droit de la part de notre Dieu, de, mes amis, de manifester, de contrôler, de sévir, de combattre, d'exécuter, mes amis, les saints, de faire la guerre aux saints, voire de les vaincre, n'est-ce pas, sur le plan physique, bien sûr, et non sur le plan spirituel. On a vu, hein, à la naissance de l'Église, Étienne a été lapidé, Jacques, apôtre de Yeshua, a été décapité, Pierre était en prison. Donc vous voyez bien que les temps des nations, mes amis, c'est un temps pendant lequel les nations, mes amis, peuvent nous faire la guerre, nous qui aimons la vérité, nous qui voulons marcher selon la vérité. Voilà pourquoi, mes amis, les vrais chrétiens ne peuvent pas s'associer, ne peuvent pas être, mes amis, acceptés, ne pourront pas être acceptés par les gens de ce monde. Les vrais chrétiens ne peuvent être qu'abandonnés, persécutés par les hommes de ce monde, par les rois de ce monde, par les politiques, parce que, mes amis, parce que ces chrétiens prêchent un message qui va à l'encontre des idéaux des hommes de ce monde. Voilà. Donc, parce que justement, on est étrangers et voyageurs sur la terre, nous dit la parole de Dieu. Donc, les temps des nations, mes amis, comme vous le savez, ont débuté, ont commencé. Hein, en 587 avant Jésus-Christ, tandis que les derniers jours ont commencé il y a 2000 ans avec la naissance de l'Église selon Acte 2. Allons dans Apocalypse chapitre 11. Versets 1 et 2. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc on sait que par rapport au temps de nations, il y a une autre parenthèse, c'est-à-dire un temps de temps, n'est-ce pas, qui correspond, un temps de temps correspond à 3 ans et demi de la grande tribulation. Et pendant cette période-là, nous dit la parole, eh bien, il va y avoir justement la guerre d'Armageddon, selon cette parole, c'est-à-dire les nations vont converger vers Jérusalem pour la siéger, selon Joël 3, pour l'attaquer. Et Joël 3 nous dit que des femmes juives seront violées, des enfants seront, des jeunes gens seront, n'est-ce pas, vont être obligés à se prostituer. Et beaucoup de juifs, de nouveau, vont quitter Jérusalem pour s'exiler dans les nations, comme cela s'est passé en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque Titus, comme on l'a vu, n'est-ce pas, a détruit le temple de Jérusalem et les Juifs se sont, mes amis, expatriés dans le monde entier. Voilà pourquoi nous avons des Juifs dans le monde entier, des Juifs africains, éthiopiens, noirs, des Juifs américains, indiens, chinois, de tout. Voilà. Donc, que Dieu soit béni pour l'accomplissement de sa parole. Donc les temps des nations, frères et sœurs, on y est. On y est. Donc, que personne ne vous dise, vous chrétiens, que c'est vous qui êtes nous, l'Église, qui allons établir le royaume de Dieu sur la terre de manière visible, c'est faux. Parce que Dieu a laissé, n'est-ce pas, a donné aux nations l'autorité pour gouverner. Et Satan est à leur tête. Il est appelé le Dieu de ce siècle. Donc ce n'est pas l'Église qui mettra fin au temps des nations. Non, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même, lors de son retour visible, c'est lui qui mettra fin au temps des nations. C'est lui qui mettra fin à la guerre d'Armageddon, lors de son retour, frères et sœurs. Donc, ne pensez pas que nous avons. Vous savez, il y a une forme de triomphalisme, n'est-ce pas? Et complètement, mes amis, absurde, complètement ce qui rend les gens aveugles. Cet enseignement qui fait croire aux chrétiens qu'ils vont triompher de ce monde, des rois de ce monde, pour mettre sur pied le royaume de Dieu sur la terre. Mais quel orgueil, mes amis. Quelle confusion, c'est grave, mes amis, d'entendre de tels enseignements qui, mes amis, gonfle les chrétiens comme du levain qui fait gonfler, n'est-ce pas, une pâte.
pendant la dispensation des nations, pendant le temps des nations, les vrais chrétiens seront persécutés. Les vrais chrétiens connaîtront des tribulations. Le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Si on m'a aimé, on vous aimera. Donc les vrais chrétiens ne seront jamais aimés. Si vous voyez des pasteurs, des prophètes qui sont adulés, qui sont acclamés, qui sont, mes amis, dans les associations ici et avec d'autres pasteurs, posez-vous des questions. Parce que les vrais pasteurs, les vrais messagers, les vrais apôtres, les vrais prophètes sont souvent solitaires. Comme Hébreux 11 le dit, des hommes dont le monde n'est pas digne, hein, n'était pas digne, qui erraient dans les antres de la terre, dans les cavernes, dans les rochers. Voyez? C'est ça, mes amis, l'évangile véritable. Donc, les vrais pasteurs ne sont pas dans les fédérations, ne sont pas dans les associations, parce que ces fédérations sont contrôlées par le Dieu de ce monde, par le Dieu de ce siècle, Lucifer, qui est à la tête des gouvernements de ce monde. C'est pour ça que les vrais chrétiens ne peuvent pas s'engager dans la politique. C'est impossible. Sinon, mes amis, ils vont se souiller, ils vont se compromettre. Parce que le gouvernement actuel, la manière dont les gouvernements des hommes, mes amis, sont organisés, c'est complètement, mes amis, démoniaque. On a les maçons, les rosicruciens, les confréries démoniaques, mes amis, qui sont des lobbies très puissants derrière la plupart des gouvernements, si ce n'est que tous. Hein, donc, des organisations ecclésiastiques, politiques, des ONG qui sont derrière, mes amis, qui influent, hein, sur les politiques, sur les décisions prises par nos gouvernants, nos dirigeants. Donc, quand on est chrétien, si on est chrétien et qu'on veut marcher dans la sanctification, on ne peut pas s'engager dans la voie de la politique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ nous a recommandé. Donc voilà, c'est de l'utopie que de croire que l'on peut changer le système politico-religieux. C'est Jésus-Christ qui est la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, selon Daniel 2, et qui mettra, mes amis, fin à ce système. Et ce n'est pas l'Église. Et voilà pourquoi nous devons être correctement enseignés sur la prophétie biblique. Parce que ce soir, il est question justement de la prophétie biblique. Donc, on vous a dit que c'est Jésus-Christ qui mettra fin au système, mes amis, politico-religieux actuel, qui est dirigé par Lucifer, bien sûr. Voilà. Donc, Daniel 2 nous dit, et au verset 44, Daniel 2, 44, dans le temps de ces rois, et on y est là, c'est-à-dire le temps des nations, dans le temps de ces rois, il y en a plusieurs, donc c'est le gouvernement mondial, c'est le nouvel ordre mondial qui a été proclamé le 2 avril 2009, pour votre information, par Gordon Brown, hein, donc l'ex-ministre, l'ex-premier ministre de la Grande-Bretagne. Voilà, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Voilà, donc c'est terrible. Et ce royaume-là, justement, c'est le roi Messie, Yeshua. Alléluia. Et il est dit dans Daniel 2, justement, au verset 34, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'or et l'argent furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc la pierre ici, on sait tous, hein, c'est le roc, c'est le rocher, c'est Yeshua, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, notre maître. Alléluia, gloire à Dieu. Donc on voit bien que Daniel a prophétisé que Yeshua est celui qui allait frapper la statue de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire cette statue représente justement le gouvernement mondial, le temps des nations. Vous voyez, frères et sœurs, cette statue représente également les quatre animaux dont il est question dans Daniel 7. Le lion, c'est Babylone. L'ours, n'est-ce pas,
c'est les Mèdes et les Perses. Le léopard, c'est la Grèce. Et le quatrième animal n'a pas pu être identifié, c'est la Rome impériale. Et Apocalypse 13 nous dit que ces quatre animaux, n'est-ce pas, ces quatre royaumes, ces quatre empires sont restaurés. Et mes amis, c'est le cas actuellement avec le traité de Rome. Mes amis, signé le traité de Rome, signé en mars 47, 1947, voilà, les quatre royaumes furent restaurés et ils continuent à l'être à l'heure actuelle. Vous voyez, frères et sœurs, sous nos yeux, avec l'ONU et l'ONU et ses agences, l'OMS du côté de la santé, pour la santé, et l'OMC pour le commerce, n'est-ce pas? Et l'OTAN pour tout ce qui est armes, tout ça. Et donc il y a plusieurs agences comme ça de l'ONU. Et on est, mes amis, dans l'État des nations, dans, mes amis, en fait, la statue de Nebuchadnezzar est complètement restaurée, pour votre information. Et l'Église se retrouve, mes amis, sous, mes amis, la gouvernance de ses rois. Et on y est, on y est. Donc il est dit que la pierre va devenir une grande montagne pour remplir ensuite la terre. Et qu'est-ce que Michée nous dit justement dans Michée chapitre 4, mes amis? Michée chapitre 4, il est dit, il arrivera dans la suite de temps, il arrivera dans les derniers temps, que la montagne de la maison de Yahweh sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se levera par-dessus les collines et que des peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de Yahweh, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de Yahweh. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines, l'arbitre de nations puissantes lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Voilà. Et voilà ce que la parole nous dit. Michée et Ésaïe 2 nous parlent de la même chose, qu'il arrivera, à la fin de temps, dans la suite de temps, que la montagne de Yahweh donc sera établie au-dessus des collines, au-dessus d'autres montagnes, c'est-à-dire des royaumes, des empires. Et c'est exactement ce qui va se passer quand Jésus-Christ va revenir. Vous voyez, Zacharie 14 nous le dit, n'est-ce pas? Dans Zacharie 14, il est dit au verset justement 8, Yahweh sera roi de toute la terre. En ce jour-là, Yahweh sera le seul Yahweh et son nom sera le seul nom. Voilà, littéralement, en ce jour-là, Yahweh sera un et son nom sera un. Voilà, donc Yahweh, bien sûr, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc le roi des rois et le Seigneur de Seigneurs. Et il est dit dans Apocalypse chapitre 19, justement, et Apocalypse 19, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, Jean voit justement le ciel s'ouvrir, puis je vis au verset 11 le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable bien sûr, c'est Dieu, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît sinon lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sous des chevaux blancs, revêtu d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Donc là, c'est la guerre d'Armageddon qui va prendre fin. C'est le paroxysme de la guerre d'Armageddon, frères et sœurs. Il les pétra avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et je vis un ange qui se tenait dans le ciel. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux du ciel, qui volaient au lieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair de roi et la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, là c'est l'homme impie, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Là, c'est la papauté. C'est l'ensemble des faux pasteurs, des faux apôtres, de la fausse église, la religion, le syncrétisme que nous sommes en train de vivre, de voir se matérialiser aujourd'hui, mes amis. Mes amis. Et la parole nous dit, et j'ai vu le faux prophète qui avait fait devant elle, devant l'homme impie, la bête,
les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez que le Seigneur dit ici, le Seigneur dit dans Matthieu 24, on nous parle des oiseaux qui vont se rassasier de leur chair. Et qu'est-ce que Matthieu 24 nous dit, frères et sœurs? Justement, alléluia, gloire à Dieu. Et Matthieu 24 nous dit ceci au verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Donc Dieu va appeler des vautours pour manger les cadavres des généraux actuels qui refusent l'évangile. Dieu va, mes amis, envoyer des vautours pour manger des présidents, des rois, des autorités qui refusent de se sanctifier, mes amis. Oh, que Dieu nous garde, frères et sœurs. C'est la fin de la guerre d'Armageddon, frères et sœurs. Et la parole nous dit justement par rapport à cette guerre, parce que les temps des nations, mes amis, le paroxysme du temps des nations, c'est la guerre d'Armageddon. C'est le combat du Tout-Puissant. C'est là que Dieu va descendre pour confondre ses ennemis, frères et sœurs. Et l'Église reviendra avec Yeshua, avec nous serons assis, nous serons assis sur des chevaux blancs pour, avec nos armes, avec notre armure dont il est question dans Éphésiens chapitre 6, frères et sœurs. Le casque du salut, l'épée, mes amis, la ceinture, le bouclier de la foi, le zèle que donne l'Évangile. Et chacun aura son cheval. Et nous allons redescendre pour attaquer, pour combattre, mes amis, contre les armées de ce monde. Alléluia, gloire à Dieu. Ils vont tirer sur nous, ces hommes, ces femmes, ces militaires vont tirer sur nous avec des armes biologiques, chimiques, mes amis. Mais les armes vont ricocher sur nous parce que nous aurons des corps glorieux. Alléluia, gloire à Dieu. Et je vis, Apocalypse chapitre 16, verset 12, le sixième ange versa sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarie pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Là, selon mes amis, selon Ézéchiel 38 et 39, l'homme impie sera à la tête d'une puissante armée, mes amis, une grande coalition, la Chine, mes amis, avec la Russie et certaines nations, mes amis, musulmanes, et, qui vont s'associer et vont descendre sur, mes amis, Jérusalem. Alléluia. Et la France et beaucoup de nations occidentales, y compris, mes amis, vont se joindre à eux. Et le roi du Midi également, donc l'Égypte. Et mes amis, l'Éthiopie, certains pays africains vont se joindre à eux, vont descendre sur Jérusalem pour attaquer, mes amis, cette ville. Alléluia. Et Dieu nous dit la parole. Dieu va demander à un ange de verser sur le fleuve, l'Euphrate, la coupe de sa colère. Et mes amis, sur le royaume de l'homme impie. Dieu va déverser les sept coupes de sa colère sur le royaume de l'homme impie. Et la sixième coupe va faire tarir le fleuve, l'Euphrate. Pour préparer, c'est comme si Dieu va, mes amis, construire une autoroute pour permettre à ce roi, mes amis, il y aura près de 200 millions de soldats, de cavaliers selon Apocalypse 9, mes amis, qui vont se diriger sur Jérusalem. Dieu même va leur rendre la tâche facile. Dieu va les convoquer lui-même, frères et sœurs. Il va les rassembler selon Michée 4, 11. Dieu va les rassembler là, mes amis. On nous dit, et je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Voici, je viens comme un voleur, heureux ceux qui veillent et qui gardent leurs vêtements. Ces vêtements, afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ils, c'est qui? Eh bien, les démons. C'est une guerre terrible. Les démons vont rassembler toutes les armées du monde. L'armée, mes amis, irakienne. L'armée, mes amis, égyptienne. L'armée française, l'armée américaine. L'armée, mes amis, de l'homme impie. Toutes ces armées vont se liguer, mes amis, contre Israël. Nous dit la parole, frères et sœurs. Alors là, qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Eh bien, Yeshua avec l'Ecclésia, hein, mes amis, sera de retour. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu nous dit ici, on nous dit que ce sont les démons qui vont les rassembler. Mais en fait, dans Zacharie 14, on a une autre information. Il est dit dans Zacharie 14, mes amis, au verset 1er, « Voici le jour de Yahweh arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations. » Pour qu'elles attaquent Jérusalem, la ville sera prise, les nations, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité
mais le reste du peuple ne passera pas, ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, Yahweh paraîtra, Yahweh viendra, mes amis, et il combattra ces nations. C'est Dieu qui va combattre ces nations, frère. C'est le paroxysme du temps des nations, c'est la pierre angulaire qui vient pour combattre avec l'épée de sa bouche. Oh, alléluia, mes amis. Et là, ça conclura la prophétie, mes amis, d'Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Là, ça conclura la prophétie de Psaume 91. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Et nous sommes, mes amis, alléluia. Oh, j'aime la parole. Nous sommes dans Michée, mes amis, la Michée. Je sais que vous aimez l'évangile. Nous sommes dans Michée, frères et sœurs. Michée, chapitre 4, frères et sœurs. Michée 4, 11. Et Dieu nous dit, maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de Yahweh. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles de reins, et tu broyeras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Alléluia. Oh my God. Oh, c'est magnifique, frères et sœurs. C'est glorieux ce qui va se passer là, mes amis. Là. Alléluia. Oh, alléluia, Dieu de gloire. Nous sommes dans Joël 3. Car voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je le ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon peuple, de mon pays, qu'elles se sont partagées. Voilà. C'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible. Ça va être glorieux ce jour-là, mes amis. Pour l'instant, nous pleurons, c'est vrai, parce que ce n'est pas notre temps. Pour l'instant, comme Jésus-Christ disait, c'est votre heure et l'heure du royaume des ténèbres. Pour l'instant, nous souffrons, nous, l'Église véritable. On est persécuté, on est traité de faux prophètes, on est traité de faux pasteurs, on est traité de gourous, voleurs, impudiques, tout ce que vous voulez, frère. Qu'on envoie des âmes en enfer, voilà comment on nous traite. C'est pas facile. C'est biblique. Le Seigneur a dit par Paul, vous serez au milieu d'une bonne et d'une mauvaise réputation. Mais que les chrétiens qui sont ainsi traités ne baissent pas les bras, ne se découragent pas. Parce que, mes amis, notre temps arrive. Notre temps arrive. Alléluia. Il a été donné aux nations. Il a été donné à l'impie de les vaincre. Mes frères, un temps arrive. Le temps de la restauration, mes amis, arrive. Soyez fortifiés, encouragés. Encouragés au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. On a compris, frère, les temps des nations, mes amis, ont commencé en 587 avant Jésus-Christ, et les derniers jours à la naissance ont commencé à la naissance de l'Église, il y a 2000 ans. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez nous appeler au nom de Yeshua. Que Dieu soit béni, glorifié pour sa parole. Soyez fortifiés, encouragés, frères, sœurs, au nom de Yeshua. Notre délivrance est proche. Levons les yeux au ciel et regardons, frères et sœurs, l'agneau qui revient. Mais il revient non en tant qu'agneau, mais en tant que le lion de la tribu de Juda pour asseoir son autorité sur les nations, frères et sœurs. Et il va briser, selon Psaume chapitre 2, mes amis, le bâton de commandement des rois de ce monde. Pourquoi les nations, pourquoi les princes se liguent-ils, nous dit Psaume chapitre 2, n'est-ce pas? Et Dieu va paraître, Yeshua va paraître, le Messie va paraître, mes amis, pour reprendre le gouvernement des nations, n'est-ce pas? Le bâton de commandement d'entre les mains des hommes de ce monde. Parce qu'ils ont mal géré le monde. Ils ont géré, ils ont dirigé avec injustice, mes amis. Et Dieu revient pour nous délivrer, pour notre délivrance. Que toute la gloire soit rendue à Yeshua, le maître des maîtres, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Voilà, donc vous commencez à nous appeler pour partager, voilà, cette parole, cette courte parole prophétique pour nous encourager à tenir, à rester debout, à ne pas céder à la tentation, aux belles promesses qui peuvent paraître belles, hein, de l'ennemi, bien sûr, les promesses de l'ennemi qui peuvent paraître, je dis, belles alors qu'elles ne le sont pas. Parce que derrière ces promesses, derrière ces choses qui paraissent, mes amis, beaux, belles, il y a la mort. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si l'équipe technique, nous avons quelqu'un en ligne. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Je m'appelle... Je suis une sœur, la sœur Espérance Magali. En fait, j'avais une question, c'est par rapport... Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur, s'il vous plaît?
j'essaie de faire. Donc, en fait, ma question est par rapport à l'enlèvement et cette guerre d'armée, Maguédon, parce que j'avais fait un cours biblique. Et puis là, on nous avait enseigné que, en fait, l'Église sera d'abord enlevée et puis la guerre d'Armageddon sera après cet enlèvement. Donc, j'ai l'impression que ce n'était pas tout à fait, en fait, comme ce que vous expliquiez. Si, l'Église sera enlevée parce que ce soir, l'enseignement n'était pas sur l'enlèvement de l'Église. Bien sûr, l'Église sera enlevée et j'ai bien dit que l'Église reviendra avec l'époux. D'accord. Et puis, eux, ils vont donc participer à cette guerre d'Armageddon. Bien sûr, parce que nous serons assis sur le cheval. D'accord. OK. Oui. Alors, oui. OK, oui, c'est vrai. Je me rappelle maintenant de ce passage-là. Vous avez effectivement dit qu'on reviendra assis chacun sur un cheval. Voilà. Voilà, c'est à ce moment qu'il y aura le règne. Et c'est à ce moment qu'on parle aussi de... l'avènement, c'est ça l'avènement, c'est juste. C'est ça l'avènement du Seigneur. Revient. L'avènement du Seigneur, c'est ça. L'avènement, avènement, parousia, présence. La présence du Seigneur, oui. Visible. D'accord. OK. OK, merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Oui, bonne soirée, merci. Soyez béni. Voilà, Dieu est bon. Merci, frères et sœurs. Merci pour. Merci à cet appel hein, pour la sœur. Hein. Merci à la sœur pour cet appel. Voilà, donc bien sûr, l'enlèvement aura lieu parce qu'il y a des gens qui, il y a de plus en plus de gens qui remettent en cause l'enlèvement de l'Église. L'Église sera bel et bien enlevée, ça n'y a pas de problème. Nous connaîtrons, hein, nous irons aux noces hein, parce que Apocalypse 19 nous dit que nous sommes conviés aux noces de l'agneau. Nous sommes l'épouse de l'agneau, donc c'est normal que nous participions aux noces. Voilà, et le Seigneur ne nous a pas destinés à la colère à venir. Mais l'Église connaîtra bien sûr les tribulations. Hein, ça a toujours été son lot. Voilà, donc on a toujours été persécutés, donc ça, c'est pas nouveau. Allô, bonsoir. Ah, pas quelqu'un en ligne. Voilà, donc on va s'arrêter là. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Alors, bonne continuation, bon courage dans l'œuvre du Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. Au revoir.